Bonjour. Bonjour. Bon, je vais m'en aller. Quoi, c'est où? Tu t'en vas? C'est où? Reviens! Oh! Bon alors, qu'est-ce qu'il reste à faire, hein? Bon, alors, tout est presque prêt, n'est-ce pas? Oui, rassurez-vous. S'il faut autre chose, vous me le dites, ok? Tino, je te fais confiance, d'accord? Oui. Tino, il n'a pas la moindre idée de ce qu'il faut faire. Allez, dépêchez-vous de tout emmener. Allez, bougez-vous un peu. Allez. Ma douce Sainte Vierge et tous les saints, donnez-moi la force de protéger ma famille. Où qu'elle soit. Eh oui, mes chers amis, moi je veux que la fête de notre cher village d'Alvorinia soit très festive, oui, mais aussi bien organisée, bien sûr, et pacifique. Mais voyons, Horatio, tu sais très bien que dès que les gens commencent à boire, ils... Quoi, pardon, comment ça? Combien de fois est-ce que je t'ai dit déjà que quand j'exerce mes fonctions, tu dois dire président, tu comprends? C'est vrai, ça. Les gens n'ont pas voté pour avoir n'importe qui à leur tête, hein. Ils ont voté pour le président Toledo, pas pour Horatio. Ok. Mais alors, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que tu dois dire? Tu dois dire monsieur le président, Tino. Très bien. Monsieur le président, qu'est-ce qu'on fait concernant les feux d'artifice? Oh, ça, c'est une question très délicate, oui. Les feux d'artifice, pour moi, c'est un couteau à double tranchant. En fait, je me sens vraiment divisé. Comme disent les Anglais, c'est un mixed feeling. Oui, parce que même si d'un côté, j'admire vraiment les feux d'artifice et leur beauté féerique, d'un autre côté, quand j'avais 14 ans, eh bien, je regardais un feu d'artifice et l'un des bâtons d'explosif est venu dans ma direction, vous voyez? Et vra, plus aucun poil sur le torse. Mais Horatio, monsieur le président, pardon, excusez-moi. Mais du coup, il va y avoir un feu d'artifice? Ou il n'y en aura pas? Parce qu'à Mortera, le village d'à côté, ils en font un fantastique. Ah oui, vraiment? Alors, où en sont les préparatifs pour la fête? Maman, bonjour. Les préparatifs de la fête avancent très bien, selon ce qui a été établi à l'ordre du jour, c'est-à-dire... Ça avance bien, mon œil. Tu ne peux rien faire sans moi, n'est-ce pas? Comme d'habitude. Oui, mais maman... Je vais voir où en est la danse. Rosanne s'occupe de tout, t'inquiète surtout pas. Ah oui, oh, laisse-moi m'occuper de Rosanne. Voilà les trois prêcheresses du village. Tu es encore en retard, Maria Doceo. Bon sang, mademoiselle Colasso, vous m'avez fait peur à en mourir. À mon avis, c'est loin d'être le cas. Mon oncle, en revanche, le pauvre, il passe des heures seul dans cette grande maison sans soutien. Un de ces jours, je vais avoir une mauvaise surprise. Je ne laisse jamais Arthur seul très longtemps. Je viens chaque matin pour le voir et lui apporter des petits pains et ses médicaments. Je l'ai fait aujourd'hui même. Je n'ai jamais compris cette fixation pathétique qu'Arthur fait sur toi. Il irait bien mieux s'il embauchait quelqu'un à plein temps. Il sait que moi, je veux son bien. Évite les provocations, tu dois savoir rester à ta place. Je sais très bien quels sont tes plans. Mais sache que je te surveille. Respire, Maria Doceo, et compte jusqu'à 10. Cette vipère veut juste te taper sur le système. Super, on avance. Voilà. C'est ça, bravo. C'est ça. Plus de rythme. Voilà. 1, 2, 3. C'est ça. Mais que se passe-t-il ici? Oh, mais c'est quoi cette débauche? Mon Dieu. Hein? Preciosa, les danseuses sont en train de répéter. Elles répètent quoi? Un spectacle pour une maison close? Arrêtez ça. Comme si on dansait comme ça, en gesticulant autant, hein? Et regardez-moi tous ces décolletés. C'est une honte. Une honte. Maman, quelque chose ne va pas? Tais-toi. Horatio, fais quelque chose enfin. Ta mère nous empêche. Ta mère? Écoute-moi, ta mère ne permettra jamais un spectacle aussi vulgaire dans ce village. C'est vraiment une honte. Et en plus, elle pourrait attraper froid. Une grippe. Ou une pneumonie, ce qui est encore pire. Une pneumonie? Mais enfin, pour l'amour du ciel. Pour l'amour du ciel, je vois rouge, là.
Horatio. Regarde-moi. Regarde-moi bien en face. Oui. Dis-moi, est-ce que mes danseuses sont magnifiques, oui ou non? Oui, oui. Eh bien, parfait. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Elles sont quasiment nues et leurs décolletés sont trop plongeants. Oui, je veux dire, peut-être, mais le fait est qu'elles sont habillées pour les festivités de notre village, maman, voyons. Tais-toi, pas un mot de plus. Et vous, vous trouvez ça bien? Je trouve pas ça bien du tout. Si tu veux mon avis, c'est une honte. C'est vraiment une honte. Moi, quand j'étais petite, j'allais à la plage de Nazareth avec mes parents et j'étais bien plus habillée que ça. Écoutez, si vous voulez mon avis, je trouve que les danseuses ont l'air merveilleuses. J'en profite donc pour vous féliciter et merci bonjour beaucoup à tous. Pardon, père Hannibal? Je vous pardonne, madame Toledo, mais c'est mon opinion. Et je pense aussi que vous, mesdames, pourriez parfois avoir l'esprit un peu plus ouvert au changement. En fin de compte, c'est jour de fête, non? Vous savez ce que j'aimerais. Dites-moi. J'aimerais beaucoup les voir danser. Vous pensez que c'est possible? Bien évidemment. Bien sûr que oui, mon père. Allez, s'il vous plaît, les filles. Oh. Si vous voulez bien retourner à vos places, on reprend tout depuis le début. C'est ça. Parfait. 1, 2, 3 et... Allez. Allez, super, c'est ça. Parfait, les filles. Allez, on se concentre bien, on y va. On lève les bras, bravo. La tête, 1, 2. Ça n'a pas de sens, voyons. Je suis désolée. Avec tes problèmes de santé, ça n'a aucun sens de rester seule toute la journée. Comment est-ce que je peux repartir tranquillement à Lisbonne? Je ne suis pas seule. J'ai... C'est où? Elle peut être une bonne cuisinière, d'accord, mais le nettoyage n'est pas vraiment son fort. Tu crois vraiment que je me soucie de la propreté? Je passe la plupart de mon temps allongé sur ce lit, sans bouger. Je m'en fiche s'il y a de la poussière ou si les sols ne sont pas lustrés. Je veux juste qu'elle s'occupe de moi. Et qu'elle me fasse rire avec ses histoires. Céo est une force de la nature. En dépit de la vie difficile qu'elle a eue, elle n'a jamais baissé les bras, ni perdu sa joie de vivre. Je l'admire beaucoup pour ça. D'ailleurs, sans elle, je ne sais pas si... je serais encore là. Désolée de vous interrompre. Il est l'heure de prendre votre potion magique. J'en ai assez de prendre des pilules. Allez, hop, on y va. Il faut une pilule blanche et deux roses, pas vrai? Prenez-les dans votre main. Allez. Ah, et si vous essayez de les cacher sous votre langue, vous serez puni. Vous m'entendez? De l'eau bien fraîche. Montrez-moi ça. Ouvrez la bouche. Plus. Levez la langue. Oui. Ah, voilà ce que j'aime. Oui. Vous faire sourire. Je te remercie. Vous savez ce que je vais préparer maintenant? Un thé et un gâteau à la cannelle pour que vous goûtiez avec votre nièce. Vous devez vous lever et sortir de ce lit pour muscler ses jambes. Je ne veux pas boire du thé. Je préfère rester ici, tranquillement. Maria Doceo a raison, Arthur. Voyons, tu dois marcher. Ce sont les recommandations du médecin, n'est-ce pas? Je descends. Et je vais t'attendre en bas. Un thé, qu'est-ce qui t'a pris de proposer ça? Tu sais très bien que je manque de patience avec Rita. Elle vient juste me voir pour tenter de deviner dans combien de temps elle pourra recevoir son héritage. Ne dites pas ça, c'est un péché. Mademoiselle Colasso est votre famille. Elle a un fichu caractère, oui, mais elle fait partie de votre famille. Ce qu'il y a de plus important dans la vie, c'est la famille, monsieur Colasso. Ne l'oubliez pas. Et si on faisait une partie? La dernière fois, je t'ai promis ta revanche. Monsieur Colasso, je peux pas aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à faire. Et qui plus est, votre nièce est là. Une autre fois, d'accord? Tu arrives toujours à me convaincre. Mais cette fois, sache que c'est à contre-cœur. Excuse-moi. Ne vous inquiétez pas. Je vais ramasser.
sang, c'est pas vrai. Aïe, aïe. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'on est à court d'argent. Il ne faudra pas longtemps avant qu'on ne puisse même plus payer notre chambre d'hôtel. J'espère que cet industriel va tomber dans le panneau. Sinon, on va devoir s'enfuir de cet hôtel sans payer. Giuseppe est milliardaire, mon amour. Est-ce que tu crois que je vais lui plaire? Je crois qu'il faudrait être idiot pour ne pas tomber sous ton charme. Au travail. Au travail. Au travail. Au travail. Au travail. Roberta, j'ai enfin le privilège de vous rencontrer. Bonjour, Giuseppe. Vous êtes une femme magnifique. Bien, je vous en prie. J'espère que ça ne vous dérange pas, mais je me suis permis de commander une bouteille de champagne. Excellent choix pour une réunion d'affaires. Et aussi pour le plaisir. Ah, les recettes du succès. Ce ne sont que quelques idées pour multiplier votre capital. Plus tard, je vous expliquerai tout. Parfait. Mais d'abord, on trinque. À notre future collaboration. Permettez ? Roberta, quelque chose ne va pas? Tout va bien. Un jour, je viendrai avec Federico pour te le présenter. Je suis sûre que vous allez vous entendre à merveille. Federico a... Il a voyagé dans le monde entier. C'est un homme très cultivé. Vous allez à la fête de l'ambassade ce soir? Tu m'en avais parlé. Mais bien sûr, bien sûr. Je suis sûre que ce sera une fête mémorable. Et d'ailleurs, il y aura des tas de gens influents. Puisque tu parles de ça, j'ai pensé que ça ne t'embêterait pas que je jette un œil dans la boîte à bijoux de tante Isabelle pour choisir un bijou qui serait à la hauteur de cette occasion. Et j'ai remarqué à ma grande surprise que le collier d'émeraude n'était pas là. Comment ça, il n'est pas là? Il y est forcément. Mais il n'y est pas. Je ne sais pas, j'ai cru que peut-être tu l'aurais mis dans le coffre. Je n'ai rien mis dans le coffre. Les personnes qui entrent dans cette maison ont toute ma confiance. Alors tu devrais faire plus attention, tu sais. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il manque quelque chose dans cette maison. Hein? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là, Rita? Non, non, rien. Je ne vous pensez que je l'ai volé, c'est ça? Avec tout le respect que je vous dois, je peux être pauvre et avoir une vie difficile, mais je n'ai jamais, jamais volé quoi que ce soit, pas même une épingle chez mes patrons. Ça, jamais. Je suis désolé, Zéo. Ne fais pas attention. Je sais que tu n'aurais jamais pu te permettre de... Excusez-moi, je reviens tout de suite. Juste pour qu'il ne reste pas le moindre doute. Il n'y a plus le moindre doute, effectivement. Ce n'est pas possible. C'est un piège, c'est ça? Vous avez mis ce bijou dans mon sac pour m'incriminer. C'est absurde, c'est où? Pourquoi je ferais ça? Pour m'éloigner de cette maison. Je sais que vous ne m'avez jamais supporté, mais je n'aurais jamais pensé que vous seriez capable de faire ça. Monsieur Colasso, Monsieur Colasso! Tu vois? Tu vois ce que tu as fait? Dorénavant, celle qui s'occupera de mon oncle, c'est moi. Sors de cette maison, espèce de voleuse! Sors d'ici immédiatement. Eh bien, tu l'as convaincu en un rien de temps, ma foi.
On doit partir d'ici, et vite. Hein? Nos visages sont sur toutes les chaînes de télé. Quoi? Nos visages? Oui, ils diffusent nos photos partout. Habille-toi, vite. On était beaux, au moins. Dépêche-toi. Só para afastar esta tristeza, para iluminar meu coração, falta-me bem mais, tenho a certeza. Bonjour, Léonore. Désolé pour le retard. Vous avez des nouvelles? Malheureusement, non. J'ai contacté la police italienne dès que les portraits ont été divulgués, mais ils n'ont pas pu les localiser. Comment ça? Ils ne sont pas invisibles. Ils ont bien dû laisser une piste. Soyez patiente, on va les attraper. J'entends ça depuis combien d'années? À chaque fois qu'on se rapproche, dès qu'on flaire une piste, ils s'évaporent. Je fais absolument tout ce qui est en mon pouvoir. On va mettre la scène là-bas, tu vois, et un tapis rouge, au fond, pour faire venir le groupe et ça fait 13 ans que je travaille dans cette maison et c'est comme ça que ça finit. Me faire jeter comme un chien. C'est où? Hein? Alors, ces jours de fête, t'en fais une tête? Ne m'en parle pas. Mais oh, tu devrais sourire. T'as vu le montant de l'euro-million aujourd'hui? Combien? 100, c'est où? 100 millions. Oh, et moi je n'ai pas encore joué. Merci de me l'avoir rappelé. Justino, s'il te plaît, donne-moi 5 vignettes à gratter. Tout de suite. Et voilà. Tiens. Merci. Oh. Qu'est-ce que t'as, maman? C'était une sale journée. Et je suis fatiguée. Dépêche-toi de remplir ça, c'est où? On ferme dans 7 minutes. Je vais ramasser. Ma douce Sainte Vierge et tous les saints, donnez-moi la force de protéger ma famille. Justino! Quoi? Déchire ça! Hein? Et donne-moi une autre grille, s'il te plaît. Tu ne vas pas jouer les numéros habituels, maman? Bah, écoute, chérie, j'ai eu une intuition et je vais recommencer. Après tout ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai rien à perdre. Je vais enlever le jour de mon anniversaire et mettre le 7. Comme tu veux. S'il te plaît, range ton fer à repasser. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Vraiment, tu m'en diras tant. C'est qu'en te regardant, on s'en douterait pas. Tu vas à la fête habillée comme ça. Oh, chérie, on dirait que tu vas au cirque. Chérie, tu ressembles à une trapéziste. Une contorsionniste. Va donc te changer, allez. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal? C'est une robe scintillante. Comme moi, je les aime. Oui, exactement. Il y a un minimum. Allez, va changer de robe, allez. Allez, va te changer. Oh, je vais changer de robe, mais c'est pas parce que vous me le demandez. C'est parce que moi, je le veux. C'est ça, chérie. Et sache que c'est le repassage qui aide à payer les factures. Maman, oublie ce que la nièce d'Arthur a dit. Tu la connais, elle est insupportable. Il n'y a que l'argent qui l'intéresse. Tu sais, ce qui me contrarie, chérie, c'est que Monsieur Colasso n'a personne. Cette vipère, elle serait capable de vendre son oncle aux enchères. Oui, cette jeune femme est vraiment horrible. Elle regarde les gens d'une telle manière, on dirait que tout le monde est inférieur à elle. Franchement. Oublions ce drame et allons plutôt faire la fête. Allez, maman, va t'habiller, on va t'attendre. Ne le prenez pas mal, mais je suis épuisée. Je dois encore finir de repasser ces vêtements. Si je finis tôt, je vous rejoins. Et profitez-en, c'est pas la fête tous les jours. T'en es sûre? Certaine. Ah, à tout à l'heure. À tout à l'heure, amusez-vous bien. À tout à l'heure. Attendez-moi! Oh, ma Thelma, elle est vraiment fofolle. Vraiment. Jessica, on doit absolument faire un selfie. Avec toutes ces lumières, ça va être super, tu vas on voir. On y va, alors. Papa, attends. Souris un peu, c'est le minimum. Dans le champ, il n'a pas besoin d'être dessus. Ah non, il est en plein milieu. Attends, on en prend une sans lui. Oh, monsieur Toledo, sortez. Allez, de là, s'il sort vous plaît. De là. Oh, mais enfin. Non, mais j'ai rien fait, va je fais où? Non, c'est pas grave, on y va.
Tu vois, c'est qui l'expert? Oui, oui. C'est moi. Vous en avez vu combien, monsieur Toledo? C'est ma deuxième semaine. Vous avez compté? Non, elle n'est pas bien. Allez, on la refait. Oh non, non, ça suffit. J'en ai assez de prendre des selfies. T'es pire qu'une influenceuse. J'en peux plus. Oh, allez, ne gâche pas la photo. Bon, écoute, soit tu la fais, soit tu la fais pas. Oh, regarde ta bimbo de belle-sœur. Enfin, pour une pure bimbo, aujourd'hui, elle n'est pas si mal. Quelle belle-sœur. Si elle l'était, elle ne le sera plus, ok? Je vais rompre avec Bruno dès ce soir. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu racontes enfin, Jessica? Bruno t'aime tellement, et c'est un bon garçon. Papa, oui, c'est bien beau tout ça, mais Bruno est pauvre. Il pense comme un pauvre et je le supporte plus. Ça suffit pour aujourd'hui. Toi, tu vas rester là, ok? Oh, bon sang. Oh. Bon sang. J'en ai la tête qui tourne. Ah, tiens, en parlant de ça. Radieuse, ma belle, ce soir. Je t'aime. Bonsoir. Je vais au bar. Bonsoir. Oh. Ça va? Tout va bien? Vous allez bien? Très bien, merci. Monsieur Nobrega. Comment allez-vous? Bonsoir, mon ami. Teresa. Comment allez-vous? Bien, merci beaucoup. Parfait. Père Hannibal. Comment ça va? Ça va. Bon, mes amis, soyez les bienvenus à la fête de notre village. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Horatio. Je suis venu vous ramener la plus belle et la plus talentueuse des danseuses. Oh, j'ai pas pu assister aux répétitions. J'espère ne pas gâcher toute la chorégraphie que Rosanne a élaborée. Chut, 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 chut. Mais de quoi tu parles, pour l'amour du ciel, Teresa? Tu es... Je peux affirmer que tu es l'une de mes meilleures élèves. Ça va bien se passer. Ça va aller, je t'assure. Oui, super. Parfait. Et puis, ton frère t'encouragera depuis le premier rang, très fièrement. Oh là ! Voyons. Pardon. Je t'avais dit que tu aurais dû apporter ta canne. Bon, Teresa, tu veux bien venir avec moi ? On y va, allez. Merci beaucoup. On y va, ma Merci. Belle. On va aller voir si tout est prêt pour notre numéro d'aujourd'hui. Ça te va ? Allez, on y Merci. Va. À tout à l'heure. Bisous. À plus tard. On y va. Salut. Je peux savoir pourquoi t'as dit ça ? Allez, 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 les gars, vas-y, vas-y, vas-y. Le passage, de la ouais, bah, allez, allez. Vas-y, fais la passe. Ne laisse pas passer. Allez, voilà, par ici, attention. Non, non, non. Ah, non, vas-y, on recommence. Et... Vas-y. Oui, allez, tire, ça va? Tire, fais gaffe, attention. Ça va? Eh, ça va? Qu'est-ce que tu But But On peut se parler? Pas maintenant, je suis en train de jouer, là. Plus tard. Oui, mais j'en ai vraiment besoin. Je dois vraiment Tout parler. Tout de suite, ça peut pas attendre. Tout de suite, Bruno. Les gars, désolé. Je reviens. Je reviens tout de suite, ok? Ok, on t'attend. Dis-moi. Quoi? Ok, j'ai beaucoup réfléchi. Ouais. Je ne sais pas comment te le dire, mais je pense qu'on ne veut pas la même chose. Le troisième numéro est le 27. Et le 23. Le cinquième numéro est le 9. Maintenant que les cinq numéros ont été révélés, il ne nous reste plus qu'à découvrir les deux étoiles. Je pense que le mieux que nous ayons à faire, le numéro 4, c'est de rompre. Hey, est-ce que tu écoutes ce que je te dis? Attention. La deuxième, le numéro 7. Qui est le gagnant de ce soir? Le moment est venu de découvrir quel pays d'Europe a les numéros gagnants. Et le premier prix revient au Portugal. Bravo!
Le vainqueur se trouve au Portugal.